www.congotopnews.com. On est aujourd'hui en mesure de pouvoir vous faire devenir propriétaire d'une maison de deux chambres, salon, d'une surface de 20 sur 20, sur un terrain de 20 sur 20, à 150 dollars par mois. 150 dollars, il y a Pamba. Au tiki chez les parents. Au tiki pour salon. Au comico le pan. Coca moi. 3fois.congotopnews.com. Alors, on peut parler quand même de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Mmh. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, comment vous le trouvez? Totalement, c'est une vision qui est partagée. On sait que le pays va céder, va partir de l'avant grâce, pas que, pas seulement, mais grâce aussi à la diaspora. Nous, je fais partie d'une génération qui avait une mentalité dynamique. On veut faire quelque chose pour notre pays. On ne reste pas seulement sur des dires ou bien sur des volontés. On fait aussi le pas. On fait aussi ce pas-là en espérant que les choses se passent très bien. 3fois.congotopnews.com. Le projet saut de Monton, retrouvez comment? Bon, sans vouloir faire de la politique, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense aussi que ce n'était pas la priorité. Je pense qu'avec ces fonds-là, il y a d'autres choses qui auraient pu être faites de beaucoup plus prioritaires. Mais bon, les choses sont comme, là, en espérant, comme. Bah, de toute façon, la réhabilitation des routes, les hôpitaux, ce genre de choses-là, quoi, le social. 3fois.congotopnews.com. Par rapport aux maisons préfabriquées, alors pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas voir le chef de l'État ou des constructions, construction. TP, je ne sais pas quoi là, est-ce que vous ne pouvez pas faire un appel à ce ministère-là? Bien entendu, on fait un appel. Le dossier est là. Pour relancer le dossier, par exemple. Réactualiser le dossier, mais par contre, l'offre est toujours là, les possibilités sont toujours là. Donc, à tout moment, nous, on est ouvert pour pouvoir rencontrer les personnes du gouvernement, bien les personnes du ministère en question, et leur faire nos propositions à nous. Salle de fête, le salon Chalot, ici à Sarcelles, sur 16 rue de l'Escouvrier, 95-200. Pour vos mariages, vos anniversaires, baptêmes, vos soirées, vos concerts, vos conférences, les salons Chalot vous accueillent. Appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Salle de fête Nabino, Oyo, moi Namboka Asseli Bino, en tout cas Eko Yamba Bino, Naba événement Nyonso. Et dans la salon VIP, surtout pour Nabino Ba marié, il y a rechange. Sanitaire, cuisine, il y a Kitoko. Toza Pena service. Il y a traiteur, na, il y a décoration. Transport accessible, faites-vous dans le parking Yamou Nene. Pour vos réservations, vous avez le numéro où vous avez affiché. Vous allez discuter. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Hero Show. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à nous regarder. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes en 2021. Merci, merci encore une fois parce que vous étiez nombreux aussi à nous donner la force au cours de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2020. Merci d'être encore à notre compagnie pour cette année nouvelle. Plein de bonnes choses à tous nos téléspectateurs, beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur et pourquoi pas investir dans notre pays. Et c'est notre slogan dans cette nouvelle année. Une année de découverte, une année de plein de bonheur et pourquoi pas une année pour, il est peut-être
tant de penser aussi à notre pays, la République démocratique du Congo. Ndenge, na sepela ramingi, na lakshavek le bobo, alors toujours, il faut qu'on travaille, il faut se lever tôt, parce que la vie appartient aussi au courageux, tout la mukakato. Messieurs et dames, vous l'avez réclamé, il était avec nous l'année dernière, Monsieur Hervé Dolly de HD Conseil, donc votre cabinet. Bonjour et bonne année 2021. Bonjour Noélie, merci, à toi aussi. Alors je vous ai fait appel parce que vous étiez réclamé par nos téléspectateurs. Vous voulez quand même avoir certains éclaircissements, certaines précisions. Okay. Alors parlons-en encore comme on avait parlé en 2020. Quand vous avez été passé, quand vous êtes passé dans mon émission, ouais. Et Rochaud, cette année-là, c'était dans Entretien. Exactement. Et aujourd'hui, je voulais quand même vous recevoir dans cette émission, parce que cette émission, et Rochaud, beaucoup de gens, et en passé quand même que vous puissiez aller encore au-delà, toucher certaines personnes, le public de Rochaud, au lieu de rester seulement des personnes un peu. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est à nouveau un plaisir pour moi de pouvoir partager ce plateau-là, de votre invitation, merci beaucoup. Donc, merci aussi au public de Hero Show qui m'ont réclamé. Je suis là pour pouvoir les éclaircir encore un peu plus. Donc, si par exemple, je vais faire un petit récapitulatif. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Cabinet HD Conseil. Le but premier, c'est de mettre en relation les gens de la diaspora qui ont un bien au niveau de la RDC et qui veulent faire une construction. Construction, réhabilitation, extension ou bien des petits travaux à l'intérieur. Donc, notre cabinet, on est là, on est le pont qui est entre ces deux parties-là. Et on travaille, ça fait déjà plus d'un an et demi, les choses se passent bien, par la grâce de Dieu, les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui aussi, je suis venu avec la nouveauté. La nouveauté. Nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle chose. Ouais. Donc, voilà un peu. Alors, c'est quoi la nouveauté en fait? Alors, ou les nouveautés, si vous voulez. Il y a deux nouveautés essentielles. Première nouveauté, c'est que l'année dernière, on faisait que les constructions, mais on s'occupait pas de tout ce qui était financement. Cette année-là, en 2021, on fait et la construction et les financements. Donc, ça veut dire qu'on peut vous faire le devis, tout ce qui est construit, le plan, machin, la construction, et puis vous payez des mensualités. Première possibilité. Deuxième possibilité, on est aujourd'hui en mesure de pouvoir vous faire devenir propriétaire d'une maison de deux chambres, salon, d'une surface de 20 sur 20, sur un terrain de 20 sur 20, à 150 dollars par mois. À 150 dollars par mois. 150 dollars par mois. Donc c'est un peu les deux nouveautés qu'on a. Ça se trouve au niveau de. Il y en a un scellé à Bibwa et puis à Kinkole. Alors comment faire pour être propriétaire maintenant? Alors c'est très simple, vous nous contactez. On vous envoie des plans parce que 150 dollars, ça c'est soit en 10 ans ou bien 250 dollars pendant 5 ans. D'accord, 150 dollars pendant 10 ans. 150 dollars pendant 10 ans. De crédit. De crédit. Et 250 pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ok. C'est ça exactement. Donc vous nous contactez. Et le montant varie approximativement de combien à peu près C'est aux alentours de 15 000 dollars. De 15 000 dollars. Oui, c'est à peu près 15 000 dollars. L'année. Le global. Le coût global, c'est 15 000 dollars. D'accord. Terrain, plus maison construite. 15 000 dollars. Donc, nous, on a fractionné ça, ouais. On a fractionné ça en. Mensualité. En mensualité, ouais. D'accord. Alors, que devons-nous faire pour être propriétaire maintenant? Vous nous contactez, dans un premier temps, parce que ça, c'est le prix d'appel. On a d'autres maisons encore avec 3, 4, 5 chambres, un peu plus. On fait un peu le point, on voit à peu près ce que vous voulez et puis nous on vous fait des propositions. Voilà, cette maison-là coûte tant avec des mensualités de temps, cette maison-là coûte tant avec des mensualités de temps. Si on est d'accord, on signe un contrat et puis on commence. En fait, l'idée aussi c'est par exemple créer ou construire une nouvelle cité en fait, en quelque sorte. Parce oui, que des maisons là sera, ça va se ressembler ou pas? Oui, c'est ça, ça sera des maisons qui vont se ressembler. Oui, dans l'esprit c'est ça, c'est oui. Créer une nouvelle cité une parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes aimeraient devenir propriétaires, que ce soit les gens de la diaspora, mais que ce soit aussi les gens qui sont sur place. On sait que les temps sont difficiles. Et puis bon, on a essayé de rentrer un peu de social à l'intérieur aussi. On s'est dit, bon, 150 dollars, ça reste encore raisonnable. Que ce soit pour les gens du terrain, enfin qui sont sur place à bonne voie du Congo,
ou que ce soit pour les gens de la diaspora. D'accord, même si vous n'avez pas un terrain, mais avec les 150, vous pouvez être déjà propriétaire. Terrain. Alors, comment vous pouvez être rassuré que cette personne-là sera capable de payer ou de finir aussi sa dette, par exemple? C'est par rapport à l'échange. Il y a des contrats qui sont faits. Parce que personne n'est jamais sûr de rien. Donc, nous, on fait confiance aux membres de la diaspora, on fait confiance aux personnes qui vont venir pour pouvoir acheter ces terrains-là. Et puis après, tout est scellé par un avocat et puis par le notaire. Vous vous basez sur des jeunes, c'est quelle sélection en fait? Tout type de personnes. On n'a pas de clientèle particulière parce que ce besoin-là peut être pour les jeunes, un jeune couple, ou bien que ça peut être aussi pour les personnes qui sont d'un certain âge, et ça peut être aussi pour les gens de la diaspora qui, eux, veulent faire un investissement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Biwa, par exemple, il y a quelques années, ça ne valait pas grand-chose. Aujourd'hui, on avait des terrains à 400, 500 dollars. Mais aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui. Il vaut 5 000 ou bien 6 000 dollars, quelque chose comme ça, le terrain. Mais si on se projette encore dans 10 ans, Biwa, ça peut vouloir encore deux fois plus ou bien trois fois plus. Ça peut être un investissement. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on investit tant au niveau de ce projet-là. Et puis dans 5 ans, 10 ans, on peut revendre ça peut-être le double. Donc ça peut être aussi un investissement dans la pierre. Alors au niveau de l'urbanisme, tout ça, est-ce que vous avez tout fait? Oui, tout est OK. Tout est OK. L'électricité. On est totalement en règle. Totalement en règle. Et puis les normes sont respectées. L'électricité, l'eau. Alors si par exemple aujourd'hui, je veux avoir ma maison et que j'ai quelques moyens ou j'ai quelque chose dans ma banque, je vais par exemple réduire le coût de l'année, en fait, ma dette. Comment on fait? Est-ce que c'est possible aussi? Oui, bien entendu. Ça, c'est 150 dollars qu'il faut payer mensuellement, mais il y a possibilité de faire ce qu'on appelle des paiements anticipés. Anticipés. Donc, on se met d'accord, voilà, ce mois-ci, je vais peut-être payer un peu plus. Forcément, ça va réduire la dette finale. Alors, la dette sera payée comment? À partir de votre banque ou en espèces? C'est par banque. C'est dans les banques. Voilà. Donc, tous les mois, on va vous demander des mensualités à faire des virements ou bien les déposer des fonds dans notre banque qui se trouve au niveau de Kinshasa. D'accord. Et ici, par exemple, le prélèvement? Ici, on peut faire aussi les prélèvements parce qu'on a aussi un bureau de représentation ici, dont moi, je suis le responsable. Et puis, ça peut être aussi au niveau du Congo. Donc, pour avoir une maison à Kinshasa, il faut impérativement ouvrir un compte à Kinshasa ou bien avec votre banque? Non, avec notre compte ici, on peut le faire. Vous avez deux possibilités. Soit ici, au niveau de l'Europe, vous faites des virements via notre compte au niveau de l'Europe ou sinon au niveau du Congo. Vous faites des virements ou des dépôts sur les comptes, sur notre compte. Alors, s'il y a des petits soucis, alors, vous allez faire quoi? Par exemple, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de prélèvement, la personne a un petit souci avec sa carte et qu'on sort, par exemple. À part chemin où je pense que... Votre sécurité, votre garantie, en fait, c'est ce que je voulais dire. Nous, c'est tout est acté, tout est contractuel, tout est au niveau du contrat. À partir du moment où la personne ne nous prévient pas et puis on voit que bon, c'est quelque chose de répétitif, après, on donne ça au pôle juridique qui, lui, s'occupe du reste. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Dame, vous pouvez appeler, il y a le numéro, tout est là, le mail, tout est affiché au bas de notre écran, donc vous pouvez appeler pour être propriétaire. Donc c'est le moment 2021. Ébandi bien, vous pouvez être propriétaire, vraiment, appelez, n'hésitez pas, c'est pas du blablabla, et vraiment, c'est vraiment du lourd, quoi, c'est vraiment du sérieux. Alors, donc votre mission, donc comme je disais, je vous ai encore appelé dans cette émission pour donner quelques éclaircissements par rapport à notre émission précédente, donc sur la diaspora. Donc vous avez un bien à Kinshasa et vous voulez construire votre terrain. Donc on peut faire confiance à votre cabinet. Exactement. Vous avez un bien au niveau de la République démocratique du Congo, ou à Kinshasa plus précisément. Mais nous, on peut travailler sur l'étendue du Congo, pas seulement à Kinshasa. Vous voulez faire soit une construction directement, bien une rénovation, ou bien une extension, ou bien quelques petits travaux. Vous nous appelez. En fonction de ça, nous, on va essayer de parler avec vous, voir un peu quel est votre projet, de le comprendre. Et par rapport à ça, on va vous faire des propositions de devis. 4, 5, 6 devis, on vous les propose, vous faites le choix. Une fois que vous avez fait le choix, après, derrière, il y a deux options. Soit tout simplement, on vous met en contact, vous et puis le prestataire. Comme ça, après, vous gérez entre vous. Ça, c'est gratuit. Ou deuxième possibilité, c'est qu'on vous met en contact avec le prestataire, mais nous, avec ça aussi, on met aussi un ingénieur qui va suivre les travaux tout au long et qui va vous faire des rapports. Ah, chaque semaine, suivi, chaque 10 jours.
avec un suivi. Ça nous prend 5%. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous faites également la construction, la rénovation. Construction, rénovation, extension, des travaux d'intérieur aussi, peinture, carrelage, tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Hervé Dolly. Donc, je crois que vous regardez également les images en illustration. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé par rapport aux maisons préfabriquées. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir le chef de l'État ou le ministère, je ne sais pas, c'est quel ministère déjà de construction, TP, je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un appel à ce ministère-là? Bien entendu, on fait un appel. Le dossier est là. Pour relancer le dossier, par exemple. Réactualiser le dossier, mais par contre, l'offre est toujours là, les possibilités sont toujours là. Donc, à tout moment, nous, on est ouverts pour pouvoir rencontrer les personnes du gouvernement, bien les personnes du ministère en question, et leur faire nos propositions à nous, qui seront beaucoup moins chères que ce qu'on a pu entendre, ben, ce qu'on a pu voir. Voilà, parce que j'ai eu à parler avec quelqu'un de très très proche du gouvernement. Est-ce que pourquoi pas, vous ne pouvez pas faire un petit, le premier pas d'aller vers... Il n'y a aucun problème. Je prévois de partir au niveau du Congo dans quelques semaines, là, et puis j'irai là-bas avec le dossier réactualisé. Voilà. Merci beaucoup, Hervé Dolly. Alors, on peut parler quand même de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Mmh. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, comment vous le trouvez? Totalement, c'est une vision qui est partagée. On sait que le pays va céder, va partir de l'avant grâce, pas que, pas seulement, mais grâce aussi à la diaspora. Nous, je fais partie d'une génération qui avait une mentalité dynamique. On veut faire quelque chose pour notre pays. On ne reste pas seulement sur des dires ou bien sur des volontés. On fait aussi le pas. Mmh. On fait aussi ce pas-là en espérant que les choses se passent très bien. Voilà. Et la RDC, c'est notre pays. Voilà, mais nous sommes classés aussi parmi des pays à risque pour investir. Alors, vous ne prenez pas des risques? Non, enfin, on prend des risques. Les données de crédit sur place, alors que le pays, heureusement qu'il y a Fachi aujourd'hui, mais on était très instable. Oui, c'est ça, exactement. Mais bon, on se dit 150 $, ça reste accessible, que ce soit pour les gens de la diaspora, bien que ce soit pour les gens qui sont sur le terrain, parce qu'au final, ça revient à... Enfin, c'est leur bien, quoi, au final. C'est leur bien. Parce que si, par exemple, ils prennent un appartement un peu plus loin ou bien dans une autre commune, par exemple, les prix sont à peu près la même chose. Et si on fait aussi confiance au bon vouloir, hein, à la bonne volonté de nos compatriotes, on fait aussi, surtout, appel à ça. Alors, le projet Saut des Moutons, parce qu'on parle aujourd'hui de la construction, on parle du social, on ne peut pas s'emparer aussi de la politique. Parce que j'espère que vous êtes très très bien informé aussi de tout ce qui se passe dans notre pays, parce que vous êtes souvent aussi à Kinshasa. Le projet Saut de Mouton, vous trouvez comment? Bon, sans vouloir faire de la politique, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense aussi que ce n'était pas la priorité. Je pense qu'avec ces fonds-là, il y a d'autres choses qui auraient pu être faites de beaucoup plus prioritaires. Mais bon, les choses sont comme, là, en espérant, comme. Bah, de toute façon, la réhabilitation des routes, les hôpitaux, ce genre de choses-là, quoi, le social. Hein. Mais c'est ça aussi pour des routes, parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas assez de la réhabilitation des routes. La réhabilitation des routes, je pense que, bon, c'est une bonne chose, c'est là. Mais tant en attendant qu'on attend juste que le saut de mouton soit inauguré et puis soit praticable, qu'on voit concrètement maintenant... l'intérêt réel de ces sauts de moutons-là. Voilà. Alors, vous avez, pour cette année nouvelle, à tous ces gens qui vont vous suivre, également à toutes ces personnes qui vous font déjà confiance. Alors, moi, je leur demande de nous appeler, nous faire confiance. Tout est sur le site. Tout est contractuel. Il n'y a pas de main à main. Tout est traçable. Voilà, tout est traçable. Donc, en cas de problème, il y a la traçabilité qui est là, parce que les sous ne se donnent pas de la main à la main. Les sous se donnent via un compte. Bien entendu, ce compte-là sera sur le contrat et puis les modalités seront aussi sur le contrat. Il faut des gens crédibles, en fait. Il faut des gens de bonne volonté, parce que les gens crédibles ne sont pas forcément de bonne volonté. Voilà, merci beaucoup, monsieur Hervé Dolly. Alors, si par exemple aujourd'hui je prends un crédit chez vous, donc c'est un crédit déjà, et que dans deux ans, ou par exemple prenant un an ou deux ans, j'arrive plus à payer ce crédit, on va procéder comment en fait? Il y a des arrangements.
Mais concrètement, il y a un service juridique au sein de notre cabinet qui est spécialisé dans ce cas de figure-là. Donc vous verrez directement ça avec eux et puis voir les possibilités qu'il y a. Il y a trop d'arnaques aussi dans l'entreprise, que les gens vraiment ils vont se sentir en sécurité. Qu'est-ce qui prouve que voilà, c'est crédible, c'est ça, c'est, il y a la sécurité. Aujourd'hui, même si je ne suis pas là, mes enfants pourront bénéficier ou ma famille, tout ça. Qu'est-ce qui prouve? Bah parce que les papiers sont à vos noms. Le terrain, tout est à vos noms. On n'attend pas que vous finissiez de payer le crédit pour mettre les papiers à vos noms. C'est dès le début, tout est à vos noms. Donc il y a ça déjà premièrement, et en plus de ça, là, on parle de 150 $. Ça peut paraître beaucoup et raisonnable pour d'autres personnes. On ne vous demande pas de faire des apports excessifs. De toute façon, c'est simple. On ne vous demande pas de faire d'apport. Vous payez 150, mais à tout moment, vous pouvez partir sur place, voir comment ça fonctionne. Et puis les papiers, bien entendu, la clé plus les papiers seront entre vos mains. Ouais. Voilà, donc ce que nous pouvons retenir dans cette émission, vous pouvez devenir propriétaire. Juste à 150 €. $150. $150, bon, comprenez, nous sommes en Europe quand même. $150, vous devenez propriétaire. Donc voilà, on a $150 à Pambokomi, Kololo Pang. Pino Bola Nabiso, Tolobi Boeliso Tobi. $150 à Pamba. Naloba qui, ce n'est pas du blablabla, et ça, réalité, ça m'a mis solo. $150 à Pamba. Bon, on se saute, 150 €. Auto dépensera dans ma boîte, auto dépensera partout, mais avec ça, na économie à 150 na mois au comité propriétaire au comité nanda qu'on a eu à Kito qu'on a ma condition il y a bien. N'hésitez pas à appeler surtout le numéro qui sont là et puis on va vous aider. Merci beaucoup Monsieur Hervé Douli, peut-être vous avez vos remerciements à tous ces gens qui vous ont suivi. Oui exactement, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont appelé, toutes les personnes qui ont demandé des devis, mais aussi toutes les personnes qui m'ont appelé pour pouvoir me soutenir, pour pouvoir m'encourager. C'est quelque chose, ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, je reste à votre entier service, à votre entière disposition. D'accord. Et merci aussi une fois de plus à Noli de pouvoir me recevoir, c'est un honneur pour moi voilà. Aussi d'être là. Merci beaucoup, surtout nous sommes en 2021, vous étiez parmi quand même nos premiers invités. Merci beaucoup. La porte est grandement ouverte, vous revenez quand vous voulez et nous serons là toujours pour appuyer ces belles idées. Merci beaucoup Noli. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux nombreux téléspectateurs et de loin je salue l'archevêque. Le bobo, arbitre, on continue toujours comme ça là, parce que la jeunesse, puis sonde le pays, et aussi Mbama. On se dit bye bye et merci à Irène Mwanza qui ne nous laisse pas, on est toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et surtout à toi, Aristote Mbonda, Mbonde Betana 2021, on est ensemble. $150, il y a Pamba, au tiki chez les parents, au tiki pe salon. Merci. 3fois.congotopnews.com. Ok, c'est le prince d'Adj. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le sage. Journaliste numéro 1. On est ensemble comme jamais. Les choses se passent. Oh, oh. Noli le sage. Noli, journaliste numéro 1. On a tout kin. C'est Maître Gims. What I know.